Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles et bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition, calme plat dans les agences de voyage. En cette période propice au mouvement de personnes, l'ambiance qui règne dans les agences de transport interurbain de la ville contraste avec les années antérieures. Entre ajournement des dates d'examen et la peur de propagation du coronavirus, l'étau se resserre sur les transporteurs. Voici le titre du journal, le développement dans un instant. Alors qu'on s'achemine vers les grandes vacances, ce n'est pas encore l'affluence dans les gares routières de Ngaoundéré. Jules Demarcus est allé faire le constat. Suivez son reportage. Un stand d'embarquement pratiquement vide, des bus à l'arrêt, des guichets désencombrés. C'est l'image que donnent encore quelques agences de voyage en cette période de fin d'examen scolaire. Si par le passé, à la même période, ces agences grouillaient de monde, la réalité actuelle est pour le moins différente. Le responsable d'une agence de voyage de la place, qui a bien voulu se confier à nous hors caméra, évoque comme cause principale de cette situation la crise sanitaire de la COVID-19 qui oblige les uns et les autres à limiter les déplacements au strict minimum. Selon lui, seule la levée totale des mesures barrières pourrait permettre de relancer les affaires. Des passagers rencontrés sur place se réjouissent d'une application rigoureuse des mesures sanitaires, mais déplorent les départs tardifs des bus du fait de l'attente des clients. Toujours est-il que le secteur des transports est l'un des plus touchés depuis la survenue de cette pandémie et même la levée de quelques restrictions gouvernementales en vue de booster certaines activités semble ne pas y faire grand-chose. Après une période d'inquiétude qui a plané sur la filière tomate, les commerçants de ce fruit retrouvent le sourire. Denrée très importante dans le panier de la ménagère, la tomate retrouve la cote sur le marché. Marcus Djuldé, une fois de plus. Après la période de vaches maigres qu'elle a connue, la tomate semble regagner progressivement la cote auprès des consommateurs. Un tour dans quelques marchés de la place nous a permis de nous en assurer. Aussi bien au petit marché qu'au marché de Bamianga, les images des cajots de tomates abandonnés et pourrissant en plein air ne sont désormais que de tristes souvenirs. Si les commerçants reconnaissent que ce n'est pas toujours la grande affluence, ils se réjouissent cependant de ce que la période de crise soit désormais derrière eux. Il y a les jours qu'il y a le client et les jours qu'il n'y a pas le client, mais ça arrive. D'accord. Mais c'est un peu bien. On se rappelle que le contexte sanitaire défavorable lié à la pandémie du coronavirus a entraîné la fermeture des frontières et par ricochet la baisse des exportations. Situation qui a causé une mévente sévère de cette denrée sur le marché local, l'offre étant largement supérieure à la demande. Outre une chute considérable du prix qui est passé de 8 000 francs le cajot à 1 500 francs, cette crise de la tomate a été à l'origine du suicide de deux commerçants à Baganté et à Yaoundé du fait de l'impossibilité pour eux de couvrir les engagements contractés pour la production de ce fruit. Il fait partie de cette minorité des jeunes qui quittent l'Eldorado occidental et parient sur leur pays d'origine. Le journaliste reporter d'images à la Radio France Internationale, Angelo Ledoux, est de ceux qui ont suivi l'appel du cœur. Aujourd'hui, je suis appelé à travailler pour le diocèse de Ngaoundéré et pour moi, c'est un plaisir de venir travailler dans mon diocèse malgré les sollicitations que j'ai eues en France avec People TV. Au Cameroun avec la CR TV pour qui j'ai travaillé en bambou. Je continue à faire mon bonhomme chemin. Affûté par des formations de pointe à l'école des Beaux-Arts, ce ticar originaire de Bankim dans le maillot bagno est un véritable homme orchestre. En dehors d'être musicien et plasticien, donc je fais de l'art plastique, je fais de la peinture, je fais de la céramique, je fais de la sculpture. Maintenant, je suis concepteur événementiel
avant d'être journaliste reporter d'image. Le musicien qui a grandi dans un milieu modeste aux vertus pédagogiques a été projeté au devant de la scène par le titre à succès Terre Promise, première chanson Tika diffusée sur les antennes nationales. Angelo Ledoux s'inscrit parmi les personnalités parties de Rion qui accèdent au sommet. Cette vertigineuse ascension dont le succès est à chaque fois au rendez-vous donne des ailes à l'artiste. Je suis le tout premier musicien jeune Ticard qui passe le 25 avril 2005 à la télévision nationale et dont j'étais attendu comme on attend une finale de Coupe du Monde dans des villages Ticard. L'ambassadeur de la culture Ticard au niveau international revient au Bercail avec des projets plein la tête. Installé en Gaoundéré depuis son retour, il a choisi de se mettre au service du diocèse de Gaoundéré. En présence de 16 membres du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République a ouvert les travaux de cette instance. Nommé le 15 juin 2020, Abel Minko Minko, le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature, a soigneusement peaufiné les dossiers examinés depuis ce matin du 10 août au Palais de l'Unité. Les travaux présidés par le président du Conseil supérieur de la magistrature auront pour point d'orgue l'affectation et la nomination des magistrats du siège, les mutations de magistrats du siège au parquet et des magistrats du parquet au siège ou encore les tableaux d'avancement des magistrats et promotion de grade. La session du conseil qui se tient ce jour marque l'entrée en fonction de 6 nouveaux membres. Le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Mota, a été présenté à la barre pour sa deuxième audience en appel à la cour d'appel du centre à Yaoundé. Condamné par le tribunal du première instance du Fundi dans le cadre des troubles préélectoraux du 22 juillet 2020, l'homme politique avait interjeté appel. L'audience de ce jour a été renvoyée au 19 août 2020. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Restez en compagnie de nos programmes.